C'est un très bon livre. Et c'est un bénéfice. Voilà. Oh. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon. Donc, c'est ce soir, 17 janvier 2019. Hein, un cours, donc, de. Si vous êtes d'accord. De liturgie, c'est ça, oui, on est bien d'accord. En fait, j'étais parti, j'avais préparé un cours de dogmatique, finalement, en regardant mon calendrier, je me dis, mais non, c'est un cours de liturgie. Bon, et donc c'est un cours de liturgie de niveau 3 et plus. Et donc, je suis toujours sur ce thème que j'ai choisi pour cette année, et j'ai appelé ça, je crois, liturgie et connaissance. J'ai déjà expliqué que j'avais choisi ce thème parce que c'est un thème j'ai envie de réfléchir là-dessus, j'ai envie d'approfondir cette question. Cette question me préoccupe parce que je fais partie des personnes qui pensent que les rites veulent dire quelque chose. Les rites sont significatifs, ils ne sont pas vides de sens, ils ne sont pas des formes simplement qu'on doit accomplir pour se mettre en règle avec l'Église, être simplement des orthodoxes, corrects. Maintenant, je sais qu'on dit toujours ça, que la liturgie, la chair de la théologie, etc. Je sais que le thème n'est pas spécialement nouveau, mais j'ai envie d'approfondir quand même cette question-là de la voie de la connaissance. C'est une question très difficile, que je ne prétends pas du tout maîtriser. Je pense que je suis... À la fois, j'ai l'impression d'avoir l'intuition de cette question, et en même temps, je trouve très difficile de formuler ce que je crois percevoir. Je pense qu'il y a quand même, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, je pense qu'il y a deux voies de connaissance quand même du point de vue, enfin chez les chrétiens on va dire, il y a une voie de connaissance qui consiste à comprendre tout ce qu'on peut comprendre, à penser que même que Dieu est compréhensible, enfin, que peut-être démontrer, qu'on peut prouver l'existence de Dieu, etc. Enfin, que d'une certaine façon qu'on peut ramener l'existence de Dieu, la réalité divine à des concepts humains, et qu'on peut faire aussi des systèmes théologiques, qu'on peut faire des systèmes philosophico-religieux, on peut arriver à démontrer les vérités de foi. Je sais que c'est une voie qui existe, et elle a été par exemple illustrée par Blaise Pascal, à la différence de ce que pensent certains. Hein, certains, Blaise Pascal était un redoutable dialecticien, avec tout le respect que j'ai pour lui, et une simple personne, c'est pas ça la question, hein, mais dans sa méthode et sa conception de la connaissance, vous devez savoir que son entreprise était d'écrire un livre qui aurait été tellement convaincant du point de vue de l'argumentation, de la persuasion, c'est l'art de persuader quand même, qu'il aurait persuadé même des incroyants à croire. Et que même des incroyants donc auraient été presque obligés de croire, tellement le livre qu'il aurait réalisé serait péremptoire et indiscutable. Vous voyez, donc Pascal était quand même parti sur ce projet-là, d'une démonstration de la foi chrétienne à partir d'arguments humains, à partir de la raison humaine et de l'art de persuader qui peut appartenir à une intelligence humaine surdéveloppée comme était la sienne, qu'on peut arriver donc à la vérité et à la vérité de Dieu et à la vérité de la foi de cette façon-là, exactement comme on procède de façon scientifique en quelque sorte. Pascal était essentiellement, comme vous le savez parfaitement, un des plus grands savants de tous les temps et un des plus grands savants de son temps à lui en tout cas. Donc il y a certainement cette voie-là
que certains chrétiens ont emprunté, qui caractérise quand même l'Occident très globalement, qui est lié, si vous voulez, à la pensée de la Renaissance, qui est lié à l'humanisme, et qui est lié à un crédit très important accordé à la raison humaine, avec l'inconvénient, si vous voulez, que ce qui n'est pas compréhensible, ce qui n'est pas réductible à la raison, a tendance à ne pas exister. Hein, donc c'est un petit peu embêtant. Ce qui n'est pas rationnel du point de vue humain, au fond, n'est pas. Et ça, c'était un petit peu la conclusion de certains de nos philosophes occidentaux. Alors, ce qui est rationnel est réel, et ce qui n'est pas rationnel n'est pas réel. Voilà, donc, à la limite, ce que je ne peux pas démontrer, ce que je ne peux pas comprendre, n'existe pas. Mais je caricature, il y a certainement parmi nos auditeurs des personnes beaucoup plus cultivées que moi du point de vue de la philosophie, qui peut-être pensent que ce que je suis en train de dire en ce moment est une baliverne. Enfin, j'accepte éventuellement l'humiliation publique qui résulterait de ce jugement. Mais il y a quand même, il me semble, cette tendance-là. Et je sais que certains de mes amis chrétiens pensent comme ça tout de même. Ils pensent que quand ils ont compris, tout va bien, qu'il suffit d'avoir compris pour connaître. Et que la compréhension, en particulier la compréhension même des sacrements, la compréhension de ce qui se fait dans l'Église, la compréhension humaine des choses qui se font dans l'Église, est une garantie, en quelque sorte, de la vérité de ces réalités. Pour eux, pour ces amis que j'ai, qui me sont très chers, et dont j'ai été, parce que je viens aussi de ce milieu-là, du milieu universitaire, connaître, c'est comprendre, en fait. Connaître, c'est comprendre. Je pense qu'il y a cette voie-là, et qu'on ne peut pas nier, elle est... Je n'en pense pas beaucoup de bien, quand même. Je suis désolé de dire que, au point où j'en suis arrivé, de ma propre existence, je n'ai pas une opinion très favorable de cette façon de procéder. Je ne pense pas que ça soit vrai, en fait, pour tout dire. Je ne pense pas que ça soit vrai. Par exemple, dans des cas, sans parler même de Dieu, qui ne faut pas solliciter à tout moment, et si on parle simplement des grandes expériences très importantes de la vie humaine, qui sont, je ne sais pas, la souffrance, l'amour, la mort, l'apparition même de la vie du point de vue biologique même. Alors, ce sont quand même des réalités qui échappent à notre compréhension. Je suis désolé de dire à mes amis savants qu'ils n'ont pas pour le moment fait preuve d'une compétence totale, disons, dans le domaine de la compréhension de ces choses. On peut, en ce qui concerne la mort, bien sûr, on peut la décrire. L'autre jour, j'ai vu, c'était une chose très drôle, dire la mort, c'est la cessation de la vie. Ah, oui, c'est une... on ne va pas dire que ce soit vraiment une définition, c'est un constat, c'est presque un pléonasme, mais c'est en tout cas pas une explication, et on ne peut pas dire que ce soit une connaissance. C'est pas parce qu'on a dit que la mort est la cessation de la vie que... Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est quand le cœur s'arrête. Ben oui, je suis d'accord avec vous, monsieur, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous ne m'avez... Je ne connais pas la mort, hein. Je ne connais pas le mystère de la mort et la réalité profonde de la mort, simplement en la définissant par l'arrêt du cœur, ou l'apparition d'une platitude du cerveau. Et bon, non, donc, il y a quand même une difficulté. Et le mystère de l'amour, je suis désolé, c'est pareil. Je ne vais pas dire, bien sûr, on a eu Marivaux, on a eu Molière, on a eu des tas de grands écrivains comme ça qui ont analysé les sentiments, l'apparition des sentiments, en particulier Marivaux, la surprise de l'amour chez Marivaux, c'est absolument délicieux. Je pense que tout le monde doit avoir lu Marivaux, tout le monde doit avoir lu Molière, mais si vous voulez, la description d'un phénomène n'est pas forcément sa compréhension. Et alors l'autre voie de connaissance qui est celle des pères surtout, je crois quand même des pères de l'Église, est-ce que des pères orientaux, je ne sais pas très bien ce qu'oriental veut dire, disons de la tradition patristique, c'est un petit peu autre chose, ça consiste à faire l'expérience d'une connaissance par union.
par union à ce qu'on pourrait appeler l'objet de la connaissance. Enfin, le mot objet est très très mal choisi, puisqu'en fait il s'agit d'un sujet. C'est un sujet qui connaît un sujet en s'unissant à ce sujet, et en s'unissant à ce sujet sans se confondre avec lui, et en s'unissant à ce sujet par amour pour ce sujet, et dans le cas de la voie proposée par le Christ, pour laquelle j'ai une considération extrême, je fais partie des personnes qui pensent que la voie que le Christ propose est la voie unique du salut et la voie supérieure de toute connaissance. Donc je pense comme ça, j'espère que je ne choque personne par des affirmations aussi péremptoires. Et le Christ n'a qu'à enseigner que la connaissance, en fait, c'est l'union à autrui, que autrui soit Dieu, la personne divine, ou qu'autrui soit la personne humaine, l'union à autrui par un amour qui est une renonciation totale à soi, c'est-à-dire l'amour sacrificiel. C'est ça l'enseignement de l'Évangile, est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que tu connais autrui quand tu donnes ta vie par amour pour lui. Et que c'est ce qui arrive, c'est que... Alors il paraît que les animaux font ça, que les chats défendent leurs petits, enfin, on trouvera certainement dans le monde animal des exemples tout à fait illustres et convaincants, mais c'est surtout dans l'espèce humaine tout de même que l'on constate cette capacité à se sacrifier pour autrui, et c'est surtout dans l'espèce divine que ce mystère même de l'amour a été manifesté de façon tout à fait extraordinaire et totale sur la croix. Donc la croix est en fait l'emblème de la connaissance, parce que la croix est l'emblème d'une union totale à autrui par amour sacrificiel pour lui. La connaissance que Dieu a de l'homme, que la personne divine a de la personne humaine, c'est une connaissance que Dieu, dont Dieu jouit par union à la personne humaine. Et la connaissance que la personne humaine a de la personne divine est la même. C'est une connaissance que nous acquérons, enfin, qui nous est promise dans la mesure où nous sacrifions complètement l'amour que nous avons pour nous-mêmes, égoïstement, par un amour beaucoup plus grand pour la personne divine ou pour le prochain. Donc dans les deux cas, vous savez très bien, le grand commandement ou les grands commandements, que ce soit l'amour de Dieu et l'amour du prochain, en fait, sont des commandements qui concernent la connaissance. La connaissance, pas dépend, je ne sais pas, on n'est pas dans un mode causal non plus, mais la connaissance découle de l'amour. La connaissance découle de l'amour. Ça me plaît bien. On peut ne pas être d'accord, ça se voit très bien que, ici, ayant la parole, je ne veux pas tellement assumer de contradictions, mais il y aura peut-être des messages qui me seront adressés pour contester l'affirmation que je viens de faire. Et il me semble que c'est ça l'Évangile, et c'est ça la voie montrée par le Christ. Or, le Christ est, par excellence, comme vous le savez, il est la sagesse du Père hypostasié, comme disent nos textes liturgiques. Il est le logos du Père, comme tout le monde sait, c'est-à-dire la raison, la pensée, l'intelligence, la sagesse, la vérité. Le Christ est la vérité même de Dieu en personne. Donc celui ou celle qui s'unit au Christ par amour pour lui, va connaître la vérité. Alors c'est assez important, ça veut dire qu'on ne connaît pas la vérité en lisant des livres, encore que ce soit très important. Ça fait partie des personnes qui aiment lire, qui pensent que la lecture est importante, qu'il faut l'encourager, qu'il faut avoir des bibliothèques, etc. Mais la connaissance ne nous vient pas des livres, elle ne nous vient pas de la persuasion, non plus des arguments humains, mais elle vient du fait que nous répondons à un amour qui est suscité en nous par le Saint-Esprit, et un amour qui nous conduit à nous unir autant que nous pouvons à la personne aimée de Dieu, et en l'occurrence la personne aimée du Verbe, par lequel nous avons accès à la personne du Père, bien entendu. Enfin bon, sans entrer dans des détails trinitaires trop approfondis pour le moment, ce qui est intéressant, c'est cette question-là, c'est la question de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Or, on arrive par là, justement, à la question de la liturgie, c'est ça qui m'intéresse. Je m'en parle, vous imposez
un sujet qui m'intéresse au lieu de chercher à savoir ce qui vous intéresse vous. Vraiment, comme ça qu'on fonctionne, comme ça que je fonctionne, je parle à ça. Et donc, je pense que l'expérience de la liturgie, la diminiturgie, le patrimoine liturgique qui nous nourrit, ce banquet du patrimoine liturgique de l'Église traditionnelle, dont nous jouissons, que nous goûtons, qui nous alimente, qui nous abreuve, en fait continuellement, c'est-à-dire chaque jour de notre vie, non seulement dans la liturgie eucharistique, mais dans tous les offices de l'Église, la psalmodie, ben, les offices des heures, l'office des matines surtout, qui est l'office absolument magnifique de la tradition patristique. Bon, ben, tout ça, c'est une expérience dans laquelle l'amour de Dieu nous conduisant, l'amour du Christ nous conduisant, l'amour de la sagesse nous conduisant, l'amour de la lumière, de la vérité divine nous conduisant, progressivement, si nous voulons bien, si nous consentons, si nous répondons à l'aspect de l'esprit, bien nous connaissons Dieu, mais oui, nous connaissons Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'ayons pas peur de le dire, nous connaissons Dieu comme nous connaissons nos amis, et même beaucoup mieux que cela, parce que la plupart de nos amis ne sont pas quelquefois dignes du nom d'amis, ce sont quelquefois des relations, des fréquentations, des voisins, des comparses, des compagnons de boisson, je ne sais pas, bon. Pas forcément des gens que nous connaissons très profondément, c'est pas parce que nous avons bu un verre avec quelqu'un que nous connaissons, mais je pense à des amis véritables, des gens avec qui nous avons partagé des choses de la vie, quelqu'un avec qui on a souffert, des gens avec qui on a partagé des moments intenses de joie, de plaisir, de souffrance, de fête. Oui, si tu as partagé avec quelqu'un des moments extrêmes, je vois par exemple des personnes qui ont été en montagne avec des amis, qui ont été confrontées au danger, et à la peur et au courage, aussi en montagne ou en mer, ou devant des animaux sauvages. Oui, des gens qui ont vécu ça, qui ont été en montagne avec quelqu'un et participé à des choses aussi extraordinaire que la confrontation à l'immensité de la création, et tu as partagé ça avec quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, tu le connais un petit peu quand même, connais un petit peu. Passer 8 jours en montagne, ou 1 an en pleine mer, au-delà de tout rivage avec quelqu'un et être confronté à la mort, à la peur de la mort, et partager ça, Ça soude les personnes. Vous voyez. Donc il en est de même avec Dieu, c'est encore plus fort évidemment. Et les moments que nous partageons avec Dieu, des moments de prière intense, de supplication intense, de glorification intense, de louange intense, de prière avec larmes, de repentir intense. Imaginez que ça peut arriver quand même que nous repentions avec larmes. Ces moments extrêmement intenses de supplication et de louange qui adviennent justement dans la prière biblique, la prière chrétienne, tout particulièrement, et ces moments-là nous soudent au Christ. Je ne sais pas si le terme satisfait tout le monde, il me vient comme un terme très fort, c'est-à-dire que les moments que j'ai partagés avec le Christ dans la prière liturgique sont des moments qui sont irréversibles, qui créent un état d'unité et de connaissance par unité, irréversible. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des moments d'expérience, ce ne sont pas des moments de raisonnement, ce sont des moments d'expérience, ce sont des moments vécus, ce sont des moments de consanguinité, où le sang de Dieu a coulé dans nos veines, et le sang de nos veines a coulé dans l'âme même du Christ invisiblement présent par le Saint-Esprit. Donc nous sommes ces moments de transfusion mutuelle de Dieu, du Dieu-homme et de nous-mêmes, ces moments où le sucre de la vigne qu'est le Christ passe dans tous ses membres, vous voyez, que nous sommes, et alimente la vigne dont nous sommes les sarments. Enfin, vous connaissez cette image, mais ce sont des images très très fortes qu'utilise le Christ dans le Saint-Évangile et qui montrent ce que c'est que la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est ça, c'est là. Donc la circulation de la sève divine, du sucre divin, du sang divin, de la tête
du Christ dans tous ces membres que nous sommes. Donc c'est pas tellement une question de compréhension, vous voyez. C'est une question d'alimentation. Question d'alimentation, c'est une question aussi d'assimilation. Hein, j'ai parlé dans d'autres cours de liturgie, d'autres années, de l'enseignement de Maxime Kobolevski, c'est très, très grand. Il y a vraiment donc un très, 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 très grand penseur liturgique de notre temps. Et j'avais donc souvent expliqué ça, l'enseignement du professeur Maxime Kobolevski, son enseignement, je pense, sur ce qu'il appelle écoute et assimilation de la parole. Ce qui veut dire aussi, ce qui veut dire également, pardon, restitution aussi de la parole. Donc là, le phénomène de connaissance, c'est un phénomène, c'est extraordinaire, qu'on puisse connaître Dieu, c'est extraordinaire, est un phénomène qui se décrit comme un phénomène d'assimilation, de transfusion, de connexion, pour employer des mots contemporains, de... Oui, de transfusion. Oui. Et ça, c'est donc ce phénomène-là donc, que nous pensons réel dans l'expérience liturgique. Et vous savez, il y a que cette forme de connaissance-là qui soit irréfutable. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça dans sa fameux texte où il dit que... la connaissance de Dieu dépend non pas de la sagesse des hommes, mais de la sagesse de Dieu, et qui dit que la sagesse des hommes est folie du point de vue de la sagesse divine, et que la sagesse divine est folie du point de vue de la sagesse humaine. Et la sagesse divine, qui est donc considérée comme folie par la sagesse de ce monde, c'est la croix. C'est Saint Paul qui dit ça, c'est Saint Paul qui dit que la croix est l'emblème par excellence de la connaissance de Dieu, parce qu'il est l'emblème par excellence de l'amour sacrificiel et de l'union à autrui par amour. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors j'ai toujours comme référence des ouvrages très intéressants, mais pas principalement avec lequel j'ai du mal, parce que je le trouve très difficile, très dense et très, très, très fort, qui est l'ouvrage du professeur Constantin Andronikov, que j'ai cité dans la bibliographie que vous avez, que j'ai déjà donnée, qui est à peu près la même depuis le dernier cours. Dans cette bibliographie, j'avais cité donc ce livre-là, qui s'appelle « Le sens de la liturgie », aux éditions du CERF, Paris 2009, et principalement tout un chapitre sur lequel donc, je vais revenir ce soir, que j'ai abordé un petit peu. Je tiens vraiment à retravailler avec vous là-dessus. C'est un chapitre qui est page 125, qui s'appelle dogme et liturgie. Donc c'est une question vraiment très importante. Et puis j'ai remis dans la bibliographie le livre de l'archimandré Sophroni, « Sa vie est la mienne », qui est au CERF aussi à Paris en 1981. Et c'est page 105, je crois, oui. Je ne me trompe pas. Oui, page 105. Et il y a tout un chapitre, chapitre 12, qui s'appelle « Prière liturgique ». C'est tout. Et il faut lire aussi ces livres-là. Il faut lire Persophonie pour comprendre un petit peu, pour entrer un petit peu dans cette démarche de connaissance qui est celle de la tradition patristique. Il faut quand même s'informer un petit peu. Il y a aussi dans le livre du Père Sophroni, il y a ce chapitre, le chapitre 7, qui s'appelle « La félicité de connaître la voie ». Donc, Père Sophroni emploie quand même des mots très intéressants. Il pose la question de la connaissance, justement, page 67 dans le livre du Père Sophroni. Il se réfère ici à Saint Paul, qui aux Éphésiens dit que la connaissance du mystère du Christ, qui n'avait pas été manifestée aux fils des hommes des temps passés, était maintenant révélée
à ces saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Effectivement, c'est l'Esprit qui montre le mystère de la croix. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il explique ça plus loin, page 69. Il dit justement que cette connaissance du Christ, c'est une connaissance qui est en fait une paix, et la paix du Christ, la sagesse qui se manifeste comme paix, celle dont parle le Christ lui-même, quand il dit « Je vous donne ma paix », et Persephonie dit justement que l'essence de la paix du Christ réside dans sa parfaite connaissance du Père. Il en est de même pour nous. Si nous connaissons la vérité éternelle, tous les tourments de cette vie seront confinés, pour ainsi dire, à la périphérie de notre être, tandis qu'en nous régnera la lumière de la vie procédant du Père. Donc, nos grands théologiens, si vous voulez, croient fermement que l'homme peut connaître Dieu, mais que la connaissance de Dieu, si vous voulez, c'est une expérience qui relève de la mystique, hein, et qui relève de la mystagogie, c'est-à-dire de l'expérience liturgique. Alors, le professeur Constantin Andronikov a ce chapitre très 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 beau, dans lequel il développe, lui, alors plus de manière plus précise, plus technique, assez difficile. Je vous renvoie à cette lecture parce que ça, c'est de votre niveau, ça fait partie des lectures que vous devez avoir faites, je suis désolé, pour être, comment dire, qualifié à ce niveau-là du cours de théologie liturgique. Là, il revient sur un thème qu'on trouve, je vous l'ai dit, dans le petit livre de Paul Evdokimov. Vous avez parlé de ça, vous savez, le livre de Paul Evdokimov qui s'appelle justement j'ai cité la connaissance de Dieu selon la tradition orientale, page 95, et le chapitre qui s'appelle la connaissance de Dieu dans la tradition liturgique. Paul Evdokimov explique assez bien quand même pas seulement la méthode, si vous voulez, mais l'expérience, en quoi ça consiste. Par exemple, il dit, page 98, je parle de Paul Evdokimov ici, page 98, il dit « La prière liturgique vient de la totalité de la vérité et il culmine. C'est pourquoi toute règle de prière débute par une invocation trinitaire, plénitude de la révélation, et comporte la confession du credo. » Il dit aussi que la liturgie fait vivre la vérité évangélique. Et il dit qu'à travers la prière liturgique, Dieu se révèle, et que, bon, il se révèle à la mesure des possibilités de l'être humain, mais qu'en fait, que Dieu ne refuse pas de se révéler à celui qui le cherche, et particulièrement celui qui le cherche dans le cadre du culte, du culte liturgique. Alors, vous verrez, je vous renvoie quand même aussi à ce livre de Paul Evdokimov, page 101 et page 102, tout ce qu'il dit, c'est très, très intéressant. Il dit sur la liturgie des catéchumènes, celle des fidèles, il essaie, c'est difficile pour nous d'expliquer ces choses, hein, il essaie de montrer quand même en quoi la liturgie est le grand moment pour l'être humain où il peut connaître Dieu. Et même l'expérience, même la mystique chez nous, n'est pas déconnecté de la liturgie. Oui, c'est dans l'ensemble, vous allez me dire, parce qu'aujourd'hui c'est le 17 janvier, nous faisons mémoire de saint Antoine le Grand. Vous allez me citer peut-être saint Antoine le Grand, disons qu'on ne le voyait pas souvent à l'église, il était toujours dans sa grotte, dans le désert, qu'il était essentiellement un ascète et un mystique, il n'était pas un liturge. Bon, personnellement, je ne sais pas tout de saint Antoine. J'espère pour lui quand même qu'il participait à la communion eucharistique de temps en temps, comme beaucoup de gens du désert, en se rendant à un endroit où il y avait des prêtres et une église. Alors, j'arrive pas à imaginer saint Antoine passant toute sa vie sans communier au corps et au sang du Christ. Vraiment, j'en sais pas plus. Faut que nous relisions tous la vie de saint Antoine par saint Athanase. Mais enfin, il est vrai que les ascètes, les grands ascètes chrétiens depuis l'origine, passent beaucoup de temps dans le désert, c'est-à-dire ça peut être la montagne, ça peut être la forêt, ça peut être une autre forme de désert, et qui ne rejoignent ce qu'on appelle la synaxe eucharistique que le dimanche, ou même quelquefois que pour des grandes fêtes. Donc on peut avoir l'impression de l'extérieur que la mystique leur suffit, et que le culte
n'est pas important pour eux. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment affirmer cela, parce qu'en ce qui concerne Saint-Antoine, qui m'est cher à plus d'un titre, Saint-Antoine, ce qu'on sait de lui du point de vue liturgique, tout de même, c'est qu'il récitait entièrement le psautier, tout le temps, chaque jour, en tout cas plusieurs fois par semaine, et qu'il le récitait par cœur. Donc Saint-Antoine, si vous voulez, dit, on peut penser ce qu'on veut, et c'était un homme liturgique hein, par définition, je ne sais pas dire, quelqu'un qui récite le psautier par cœur tous les jours, c'est tout de même pas quelqu'un qui est étranger au culte et à la célébration biblique. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. C'est quelqu'un chez qui la nature liturgique, en quelque sorte, de l'être humain et la nature sacerdotale d'Adam au paradis se manifeste d'une manière réelle. C'était très fort puisque ses disciples qui venaient près de sa grotte dans le désert entendaient de l'extérieur de la grotte la psalmodie de ce saint père. Bon, là on prend un exemple un peu extrême parce qu'il s'agit en fait d'une vie liturgique qui est concentrée sur le psautier, concentrée sur la psalmodie, concentrée sur la mémorisation, l'intégration, l'assimilation de la parole de Dieu par la mémorisation. Donc c'est vrai qu'il y a les aspects rituels de la prière liturgique et du culte ne sont pas connus. On ne sait pas ce que saint Antoine faisait dans sa grotte. Est-ce qu'il allumait un cierge? Est-ce qu'il mettait une veilleuse? Est-ce qu'il avait des icônes? Est-ce qu'il avait un petit autel dans un coin? Moi, personnellement, je ne le sais pas. Je n'ai pas relu récemment la vie de saint Antoine par saint Athanase pour savoir qu'est-ce qu'il peut. Mais c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de cultuel et de rituel dans la façon liturgique d'être de ce grand moine et des autres grands moines que nous fêtons en ce moment? Nous avons fêté saint Paul de Thèbes en début de semaine, nous avons saint Macaire, non pas demain mais après-demain, saint Macaire le Grand. C'est intéressant de voir que veut dire le terme liturgique si on cherche à l'appliquer au domaine des grands ascètes du désert. Mais ce qu'on sait quand même, quand on lit la vie des saints ascètes, on sait qu'ils se réunissaient je ne sais pas si on lit l'histoire lausiaque de Palade. Dans l'histoire lausiaque de Palade, c'est un livre qu'on lit entièrement pendant le Grand Carême, qu'on lit tous les jours à matine. Et donc, quand on lit ça, on a la vie de quantité de ces pères ou de ces mères spirituelles du désert. On voit que ces personnes qui vivaient dans la solitude, dans l'ascèse, et qui avait plutôt une activité mystique, ascétique et mystique, si vous voulez, ces personnes-là se réunissaient quand même, quand un prêtre était accessible, se réunissaient pour participer au Saint-Mystère et communier au corps et au sang du Christ. Et on n'a quand même pas on n'a jamais défini un christianisme sans les sacrements. C'est quand même pas exagéré, si vous voulez, dans cette définition-là. Mais c'est vrai que, pour ces ascètes du désert, la psalmodie ou la prononciation du nom divin, mais surtout la psalmodie, les psaumes, c'est extraordinaire, c'est-à-dire en fait, la parole de Dieu elle-même, était leur eucharistie de base, était leur liturgie de base, était leur prière de base. C'est vrai. Bon, bah donc on prend ces cas-là, mais on va arriver tout de même à ce que dit notre vénérable professeur Constantin Andronikov, auquel je rends hommage une fois de plus ici, c'est une grande personnalité de notre temps. Donc page 125, moi ce qui m'intéresse et vers lequel j'arrive, si vous voulez, c'est ce thème qu'il développe très bien, de manière très intéressante, qui est le thème, si vous voulez, du lien ou d'articulation, l'identité même, si vous voulez, entre la vie liturgique, l'expérience liturgique et ce qu'on doit appeler la conscience dogmatique de l'Église. Alors, vous voyez, c'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est que la conscience dogmatique de l'Église? Alors, ça, je ne sais pas, on ne va pas passer une heure à parler de ça, mais on va tout de même en parler un petit peu. Pour nous, ce que nous entendons par conscience dogmatique, ça peut être la conscience dogmatique, par exemple, de Saint Antoine,
La conscience dogmatique consiste à être tout à fait clair et sans détour et sans ombre en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que vous lirez peut-être la vie de saint Antoine par saint Athanase, vous verrez que saint Athanase a vu en saint Antoine le grand défenseur de la foi de Nicée. C'est quand même intéressant, oui. Donc, c'est-à-dire que la conscience dogmatique chez un mystique chrétien, chez un liturge chrétien, chez un ascète chrétien, c'est une conscience de qui est le Christ. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Enfin, c'est quand même quelque chose, vous voyez. Donc, c'est, la conscience dogmatique n'est pas pour les chrétiens une conviction intellectuelle seulement, l'adhésion à un système religieux, un système philosophique, un système de persuasion humaine, mais c'est l'adhésion à une personne, vous voyez. Et ça, la conscience dogmatique de l'Église, c'est l'attachement du disciple au maître. Maître, je te suivrai partout où tu iras. On a cette parole dans l'Évangile. L'attachement du disciple au maître. Et plus que l'attachement, qu'est-ce qu'il y a de plus que l'attachement? C'est l'union. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'union? Il y a là l'alimentation, la manducation du maître par le disciple. L'attachement du disciple au maître va jusqu'au fait que le disciple se nourrit du maître. Alors, ça paraît un propos absolument scandaleux. Qu'est-ce que c'est que cette anthropophagie extraordinaire dont nous parlons ici? En fait, ce n'est pas exactement une anthropophagie, mais plutôt d'une théophagie ou une anthropothéophagie, si vous voulez qu'on s'amuse à prononcer des gros mots. Mais effectivement, le disciple, le vrai disciple, celui qui a vraiment la possibilité de dire qu'il connaît le maître, et c'est celui qui se repaît de son maître et qui répond à l'invitation de son maître qui dit: voici mon corps, voici mon sang, prenez, mangez, buvez. Donc c'est ça le sujet, vous voyez, la question de la sacrement de l'Église, c'est que tu communies à la vérité, tu communies à la sagesse. Et communier, c'est connaître. Communier, c'est connaître. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre la précision dogmatique de l'Église et la communion eucharistique. Pourquoi est-ce que des personnes qui ne sont pas sûres de leur foi, ou qui ne sont pas dans la rectitude de la foi, ne peuvent pas participer à l'Eucharistie? C'est pour cette raison-là. Parce que quand on communie au corps et au sang du Christ, on communie à la vérité, à la totalité de la vérité. Jean-Paul Bocquemov dit ça, je crois, mais on le dit ailleurs. Mais ça, la prière liturgique vient de la totalité de la vérité et culmine. C'est ce qu'on a, la totalité, c'est ce qu'on appelle également la catholicité, c'est-à-dire la plénitude selon le tout de la vérité. Donc s'il y a une faille, dans cette totalité, s'il y a une faille dans cette catholicité de la foi, s'il y a une faille dans la plénitude du dogme chrétien, là, il y a une faille dans la communion elle-même. Une faille dans la communion elle-même. Et c'est pour ça que la façon de confesser l'identité de Jésus-Christ dans sa relation, sa communion avec le Père et avec l'Esprit est tout à fait fondamentale. Tout à fait fondamentale. À partir du moment où il y a une confusion entre le Père et le Fils, du point de vue, par exemple, de la procession de l'Esprit, pour prendre un sujet intéressant, le fait qu'il y ait une confusion dans ce domaine-là, déjà, altère la communion parfaite, parce qu'il y a une... Il y a une confusion sur la personne même de Jésus-Christ. Et donc, c'était la réponse à la question « Qui est Jésus-Christ ?» Et la question fondamentale, c'est la question dogmatique fondamentale. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas spirituel au sens évaporé du mot. C'est pas... Pourquoi ? C'est dogmatique. C'est dogmatique.
Et donc, effectivement, la conscience dogmatique dans l'Église, elle s'exprime dans la prière liturgique, parce que la prière liturgique ne cesse pas de répondre à cette question qui est Jésus-Christ. Voulez-vous des exemples? Je ne sais pas, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit immédiatement. Dans la liturgie selon saint Jean Chrysostome et dans la liturgie selon saint Basile le Grand, nous avons cet hymne très belle qui se trouve à la fin de la première partie, enfin, qui se trouve au moment de la petite entrée avec l'évangile. C'est quand même intéressant, c'est lié à l'évangile. C'est un passage dogmatique absolument remarquable. Qu'est-ce qui se passe? Le diacre et le prêtre, les prêtres, non pas prennent, mais reçoivent avec respect, avec conscience dogmatique, justement, reçoivent l'évangile de l'autel. Ils le prennent en le recevant, ils le prennent en l'embrassant. Ils se sont prosternés trois fois avant de le. J'osais prendre. Je ne sais pas si on prend Dieu, je ne sais pas si on prend l'évangile. Je veux dire, recevez. Avant de recevoir l'évangile, si l'évangile pouvait couler de l'autel vers leurs mains, ils le feraient. Bon. Donc c'est avec toute cette conscience dogmatique, justement, qu'ils ont que les prêtres, aux saints prêtres, que Dieu les bénisse, et les diacres, donc, qui sont ceux qui, servent de support, justement, à l'évangile pendant cette procession. C'est l'évangile, c'est le Christ lui-même, en fait, qui est porté par les chérubins, porté par les diacres, porté par les prêtres. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, vous voyez, qui est, il portait comme sur un char, comme sur le char des chérubins et le char des séraphins, le Verbe incarné et porté par les mains bénies des diacres et des prêtres. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les diacres, vous savez très bien que portant le Christ hein, dans l'Évangile, ils ne le portent pas à main nue, ils le portent sur leur étole. Hein, parce que, vous voyez, je crois qu'on a à avoir une telle conscience dogmatique, justement. Une conscience dogmatique. C'est ici la vérité que tu portes. C'est la vérité hypostasiée que tu portes. C'est quand même, c'est pas un bouquin que tu transportes. Et donc, cette conscience dogmatique, elle commence là. Quand le prêtre, si c'est l'évêque, donc, reçoit l'évangile, le prend quand même, et le donne au diacre, le diacre porte l'évangile sur son étole, et tout ce petit monde, saint et béni et consacré, sort par la porte, qui est la porte, je ne sais jamais comment on l'appelle, la porte qui est du côté donc, de la prothèse, est, ouest, nord, sud, la porte nord donc, sort par la porte nord, et ils vont dans le fond de l'église, s'il vous plaît, non pas devant. Dans le fond de l'église, parce que c'est une entrée, et donc ils viennent de tout à fait l'extérieur même, ils viennent même du monde, ils viennent de l'extérieur de l'église, ils prennent le tour de l'église s'ils pouvaient, et ils reviennent par le centre, et ils font cela alors qu'on vient de chanter, justement, une hymne dogmatique tout à fait caractéristique, hein, qui est l'hymne qui dit « Qui est Jésus-Christ ?» Alors, ils entrent pendant soit les béatitudes, soit la troisième antienne qui est faite de versets bibliques, mais ils entrent alors qu'on vient de chanter justement cet hymne-là. On chante, ils sont encore à l'autel, ils n'ont pas encore démarré depuis l'autel, on vient de chanter Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel. Et qui est donc un texte dogmatique remarquable, oui. C'est un credo en fait. Hein. Un credo, c'est le premier credo de la liturgie, parce qu'il y en a donc l'autre après. Là, je vous retrouve le texte, par exemple, dans la liturgie. Ah, je ne vais pas le retrouver, je ne le connais pas par cœur. Voilà, c'est un texte qui est tout petit,
C'est avant Il y a une petite litanie qui va suivre. Hein. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui pour notre salut a voulu t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, qui sans changer t'es fait homme, as été crucifié, Christ Dieu, et par ta mort a triomphé de la mort, toi l'un de la Sainte Trinité, glorifie avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Donc voilà un texte dogmatique, hein. Et on dit ce texte-là en liaison justement avec un acte liturgique, un déplacement liturgique, un rite très intéressant qui est le rite de l'entrée. Hein, parce que cette prière-là qui va donner le départ à l'entrée. Et l'entrée se fera pendant le chant des Béatitudes. Et aussi la prière qui est dite par le prêtre ensuite. C'est intéressant, la prière qui suit la petite litanie, le prêtre dit, toi qui nous as fait la grâce d'unir nos voix pour t'adresser en commun, toi qui nous as fait la grâce d'unir nos voix pour t'adresser en commun ces prières. Ça, c'est ce qu'on appelle la liturgie, ça. Adresser à Dieu en commun des prières. Liturgie, œuvre communautaire, œuvre commune du peuple, et qui a promis d'exaucer les demandes de deux ou trois réunis en ton nom. Tout le monde sait que le Christ a dit ça. Là, vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est ça la conscience dogmatique, vous voyez. C'est pas l'adhésion à une théorie, c'est la conscience que ce que dit le Christ est vrai et que c'est en train d'avoir lieu là, maintenant, à cette heure où nous célébrons, à cette heure où nous prononçons la prière. Je continue. Maintenant encore. C'est-à-dire qu'on est dans le moment même, le moment grand M de la liturgie, mais de la liturgie et de la conscience dogmatique qui est le cœur même de l'action liturgique. Et on sait, comme dit, je vais revenir à une phrase de professeur Constantin de René Cobb, il dit « Nous savons ce que nous faisons ». C'est extraordinaire ça. Nous savons ce que nous faisons. Je sais ce que je fais, nous savons ce que nous faisons, nous savons de quoi il s'agit et de qui il s'agit surtout, il s'agit du Verbe. Accompli encore maintenant, le mot maintenant tout de même est important. Les requêtes de ton serviteur pour notre bien, écoutez bien la suite, nous accordant en ce monde la connaissance de ta vérité et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc il s'agit bien de connaissance. Nous sommes ici pour ça, nous sommes dans la liturgie pour ça. Pour connaître Dieu ici et maintenant, parce que le Verbe incarné, porté dans l'Évangile, est présent, entre dans son Église, se rend présent, trône dans son Église et veut illuminer la conscience des croyants. Donc c'est ça ce qu'on appelle la conscience dogmatique, vous voyez. Mais ça veut dire aussi que ce qu'on dit est inclus dans un mini credo peut-être, mais enfin c'est pas n'importe quoi ce qu'on dit. Vous voyez, c'est... Est-ce que je dois vous le redire? Un mini-texte comme ça, c'est quand même extraordinaire. Fils unique et Verbe de Dieu. Voilà, réponse à qui est Jésus-Christ. Immortel. Ah oui, il est immortel puisqu'il est Dieu. Qui pour notre salut a voulu t'incarner. Bah, c'est le credo aussi. Il a voulu, c'est important ça. C'est que donc en s'incarnant, en se faisant homme, il est l'expression de la volonté divine. De la Sainte Mère de Dieu. Est-ce que le mot Mère de Dieu n'est pas un terme dogmatique? Hein, c'est un mot, vous savez très bien, c'est le nom qui vient du troisième concile œcuménique, le concile d'Éphèse. Donc on est en plein dans la pensée conciliaire de l'Église, dans la pensée dogmatique de l'Église. Tu as voulu t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et qui sans changer t'es fait homme, as été crucifié, Christ Dieu, par ta mort a triomphé de la mort. Mais c'est le credo, ça aussi, vous voyez. L'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit. Donc ici, on est en train de confesser la foi de l'Église, qui est la foi dans l'incarnation et la foi dans la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous voyez que qu'est-ce que ça pourrait être donc? On pourrait avoir une conférence sur la Trinité, par exemple. On pourrait avoir un cours sur la Trinité, on pourrait avoir une catéchèse sur la Trinité, on pourrait avoir un exposé, on dirait aux gens, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qu'est la Sainte Trinité. On pourrait très bien avoir un enseignement didactique, mais on n'a pas un enseignement didactique, on a un enseignement liturgique.
C'est-à-dire, dans le cadre de l'action liturgique, les paroles les plus profondes que l'être humain puisse prononcer, la science même que Dieu a révélée de lui-même, cette science est intégrée. Elle est intégrée dans une action, elle est intégrée dans un geste, elle est intégrée dans une procession, elle est intégrée dans un chant, elle est intégrée dans une icône, parce qu'à ce moment-là, l'évangile qui est porté est vraiment l'icône du Verbe. Et après ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est magnifique cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe après? L'évangile toujours continue, enfin, le Christ évangile continue, il est porté par le diable ou par un des prêtres. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Sagesse, tenons-nous bien. Et qu'est-ce qu'on va chanter? Ce sont les prêtres qui chantent ça, et non pas le peuple ni le cœur. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Et ce chant a une signification parce qu'à ce moment-là, l'évangile est porté très haut et qu'on voit que le Christ devant qui on est appelé à se prosterner et qu'on est appelé à adorer, il est là devant nos yeux. Donc c'est ça, c'est un événement dogmatique extraordinaire, mais qui est pris dans l'action, qui est pris dans l'action. Là où on pourrait avoir une conférence, je dis bien, un exposé didactique sur qui est Jésus-Christ, on a l'expérience liturgique. On a l'action, l'expérience, la connexion par l'action, la communion par l'action, l'adhésion par l'action et par un geste liturgique juste à la vérité que cette question demande. Qui est Jésus-Christ? Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Et après ça, le cœur reprend, sauve-nous, Fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts, où on se met. Toi qui es admirable parmi les saints, ou récemment, si tu as théophanie, toi qui es baptisé dans le Jourdain, enfin, la réponse du cœur, c'est très intéressant. La réponse des chantres à ce moment-là est une réponse qui, précise quelle est l'action salvatrice de ce Christ qu'on est appelé à adorer. Toi qui es né dans la crèche, je ne sais pas, il y a une articulation qui est donnée dans la réponse faite par les chantres. Donc ça, c'est un moment qui est vraiment, c'est un exemple magnifique de ce qu'on peut entendre par la conscience dogmatique totale, vous voyez, c'est-à-dire l'Église unanime, parce que c'est le chant Fils unique et Verbe de Dieu, dans le meilleur des cas, devrait être chanté par tous, et non pas simplement par le cœur. Alors, mais c'est très précis, parce que par exemple, l'invitatoire, venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, etc. Ça, c'est un invitatoire, il est chanté que par le prêtre, ou les prêtres, ou l'évêque. Intéressant, parce que ce sont ceux qui président la célébration qui prononcent cet invitatoire. En revanche, ce qui est la confession de la foi plénière, c'est le Fils unique et Verbe de Dieu qui précède, ceci est chanté non seulement par le cœur, mais par tous. Parce que dans ce moment-là, d'abord on dit sauve-nous, donc il y a quand même une première personne du pluriel qui est intéressante, et donc justement la conscience dogmatique de l'Église ici, elle s'exprime de manière communautaire, elle s'exprime comme unanimité du peuple de Dieu, et unanimité dogmatique justement. Alors, si quelqu'un à ce moment-là ne croit pas en Jésus-Christ, mais qu'il ne chante pas ça, et qu'il, non seulement qu'il ne chante pas, mais qu'il ne reste pas, qu'il sorte de l'Église, qu'il quitte l'Église, parce qu'il n'a rien à faire là, puisqu'il ne peut pas être dans l'unanimité de la foi, dans l'unanimité de la profession de foi, qui est une profession liturgique de foi, oui. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que dans la façon de célébrer, ça nous renvoie évidemment à la façon de célébrer, peut-être dans certaines de nos églises, je ne veux pas être indiscret, dans certaines de nos églises, le chant Fils unique et Verbe de Dieu est peut-être chanté simplement par les chantres. Bon, si c'est pour que ce soit bien chanté, pourquoi pas, mais ce n'est pas tout à fait juste. Ce chant devrait être chanté par tous. Et en revanche, le chant des béatitudes qui suit devrait être chanté que par le cœur, parce que ça, c'est une péricope évangélique et qui est faite donc pour être proclamée et entendue par l'ensemble du peuple. C'est intéressant, il y a la façon de ça, c'est toujours Maxime Kovalevski qui nous a expliqué ça, il y a quand même une alternance entre l'écoute et la prononciation. Il y a l'alternance entre ce qui est dit par tous et ce qui est dit par certains dont c'est le rôle.
Et c'est dans cette alternance aussi que, pédagogiquement, on finit par mémoriser les textes. Et, enfin donc, en tout cas, ce hymne, Fils unique et Verbe de Dieu, je l'aime beaucoup. Je trouve, bon, c'est plus ou moins bien traduit, mais bon, quand même, ça, on est quand même d'accord sur la version française de ce texte. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui, pour notre salut, t'es incarné du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu. Alors, le texte que je viens de vous lire, vous voyez, que vous retrouvez facilement. Bon, donc, M. Andronikov parle de cela, c'est surtout page 127, et je lis le texte qu'il écrit, que je trouve très, très grand, et que j'ai essayé d'illustrer par mes propos. Ben, je ne prétends pas parler à sa place, je prétends faire connaître ce qu'il dit, que je trouve extrêmement intéressant. Je trouve magnifique qu'on parle de conscience dogmatique de l'Église à propos de la liturgie, tout ça. Topissime, comme dit une de mes amies, parce que, dans une certaine mentalité, on pense que le dogme, c'est fait pour les cours du séminaire, ou les cours du centre Dumitrus Aniloé, je ne sais pas quoi, vous voyez. On pense que la dogmatique correspond à une activité didactique. Et bien, en fait, ça ne correspond pas. Je sais bien que c'est ça aussi, mais ce n'est pas le plus intéressant. L'essentiel de l'expérience cognitive, oui, cognitive, l'essentiel de l'expérience cognitive de l'Église est dans la liturgie. Et les séminaires, les cours, les catéchèses, les académies de théologie, on va les considérer comme des instruments de préparation, de propédeutique, de préparation à la célébration. Est-ce que vous voulez bien accepter cette définition-là? Mes collègues, professeurs de ceci, professeurs de cela, je vais vous dire que vous êtes des personnes que nous remercions beaucoup, parce que vous nous aidez à préparer la liturgie. Alors, il y a beaucoup de gens qui préparent la liturgie. Par exemple, les chantres, on les entend répéter dans une salle, les personnes qui repassent les vêtements liturgiques pour qu'ils ne soient pas fripés, les personnes qui essuient un petit peu les icônes pour qu'elles soient belles, les personnes qui astiquent les lustres, enfin, je ne sais pas, il y a toutes sortes de façons de préparer la liturgie. Et il y a aussi ceux qui lisent des textes avant de célébrer, les prêtres et les fidèles, qui lisent toutes les prières qui sont proposées avant de commencer la liturgie. Il y a ceux qui se réconcilient les uns avec les autres, il y a ceux qui confessent leurs péchés, qui reçoivent l'absolution, il y a ceux qui jeûnent, etc. Les modalités de préparation à la célébration sont extraordinairement importantes. Elles sont dans très 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 grand nombre, parce que la célébration, c'est pas n'importe quoi. C'est le moment théanthropique, divino-humain, de référence. Il n'y a pas autre chose sur Terre que la célébration de la divinité. Quand je dis sur Terre, je devrais dire aussi « et dans les cieux ». Excusez-moi, j'étais incomplet. C'est une bévue, j'ai bafouillé, pardonnez-moi. Donc il n'y a rien de plus important sur la terre comme au ciel, comme dit notre Père, que la célébration de la liturgie, et particulièrement donc, je veux dire ici, de la synaxe eucharistique, de la divine liturgie. Il n'y a rien de plus important. D'où ces préparations extraordinaires que nous avons, et j'insiste sur mon propos. La théologie didactique, académique, séminarique, etc., entre dans la catégorie de préparation. Vous voyez. Et donc que nul ne se contente de cela. Quelqu'un qui dira, ben, je ne peux pas venir à la liturgie parce que je suis en train de lire la dogmatique de je ne sais pas qui, c'est quelqu'un qui n'a rien compris du tout, vraiment. Ah, j'ai pas le temps de venir à la liturgie parce que je dois étudier j'ai un devoir à faire pour le centre de Dumitrus Aniloé, j'ai un devoir à faire pour le père machin, le père untel. Donc, on croit rêver, vous voyez. Ou des personnes, j'en connais certains de mes amis qui s'ennuient profondément pendant la liturgie parce qu'ils sont tellement habitués à tout comprendre qu'ils
ne sont pas aptes, si vous voulez, à entrer dans le mystère de l'incompréhensibilité divine et de se laisser eux-mêmes comprendre et, pas absorber, mais happer en quelque sorte, se laisser manger aussi un peu, avaler par la divinité. Vous voyez, parce que c'est intéressant, Dieu nous prend en lui-même aussi, c'est voilà, se laisser absorber. Est-ce que j'ai le courage de me laisser absorber par la divinité au lieu d'absolument vouloir comprendre? Vouloir comprendre, c'est au fond une attitude de peur. Je reste sur le bord parce que je ne veux pas me jeter à l'eau, parce que je veux comprendre. Et puis au fond, ça me suffira. Il me suffira largement de savoir pourquoi la Seine coule de gauche à droite ou de droite à gauche. Je sais tout, j'ai tout lu sur la Seine. Et ça m'évitera de m'y plonger. Bon, mais c'est vrai, mais en même temps, celui qui ne s'est jamais plongé dans le fleuve, qu'est-ce qu'il connaît du fleuve? Oui, ça part très bien. Donc, la liturgie, c'est quand même un moment où nous acceptons d'être immergés, d'être absorbés, d'être éventuellement engloutis dans le mystère divin, mais engloutis de manière tout à fait inoffensive, je vous rassure. Je dis ça pour ceux qui auraient peur. L'engloutissement, l'immersion, effectivement, est une expérience de la mort. Nous mourrons à certaines façons de faire qui sont incompatibles avec la vraie connaissance. Et nous sommes engloutis, immergés dans l'expérience cognitive de l'Église et qui remonte à longtemps. Hein. Elle remonte au moins au 6 janvier de l'an du baptême du Christ, hein, au moins. Et elle remonte probablement plus anciennement, l'expérience de l'immersion. Le Christ nous a appris cela. Et nous sortons là de cette célébration de la théophanie. C'est très intéressant. L'expérience de la théophanie, ça a été justement un moment où le Christ nous a... En fait, il nous a enseigné les voies de la connaissance. Et il nous a enseigné que la voie de la connaissance, c'est l'immersion. Il aurait très bien pu... C'est le Christ, c'est quand même l'homme parfait, le Dieu parfait. N'oublions pas de qui nous parlons tout de même. Donc, il était tout à fait dans la capacité du Christ, en étant qui il est, de s'asseoir au bord de la montagne, comme il le fait dans d'autres cas d'ailleurs, mais s'asseoir pour faire un exposé parfaitement convaincant et définitif et irréfutable, tout ça, sur lui-même, sur le Père et sur l'Esprit, et donc faire un grand cours de quelques heures quand même sur la Trinité. Donc on aurait un très grand philosophe qui nous fait un grand exposé. Or, il n'a pas fait ça. Il a montré les voies de la connaissance en entrant lui-même dans l'eau. C'est vraiment intéressant, ça. C'est très intéressant. Le Christ est celui qui montre le chemin de la connaissance. Et il le montre en le faisant. Quand il entre dans le Jourdain, quand il s'immerge dans le Jourdain, c'est pour nous montrer les voies de la connaissance. Quand il s'immerge dans la mort, parce que je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que le Christ est passé par la mort le vendredi saint, je ne vous apprendrai rien à personne, il s'est immergé dans la mort, il nous a montré les voies de la connaissance. Parce que, et dans le baptême dans le Jourdain, et dans la mort, l'immersion a été suivie de l'émersion. Et que donc il nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut aller en quelque sorte, pour connaître Dieu, connaître le Père, et le connaître lui-même, le Fils, connaître le Saint-Esprit. Connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bah, ça passe par là. Ça passe par l'immersion. Même Jonas, par exemple, c'est une figure très intéressante. Jonas, c'est vraiment une figure de la gnosiologie biblique et patristique. L'homme qui est englouti et qui est déglouti, d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'un horrible poisson que je n'ai pas connu personnellement, mais dont on dit qu'il était énorme, je ne sais pas ce que c'était exactement comme animal extraordinaire. Mais donc, c'est l'histoire de Jonas, englouti et déglouti. Et l'histoire du Jourdain, du Bateau Venise, c'est
immerger et émerger, immersion et émersion. Et l'histoire de Pâques, c'est descendre dans la mort et sortir de la mort le troisième jour. L'histoire de l'incarnation, c'est entrer dans le sein de la Vierge, les conceptions réelles selon l'humanité dans le sein de la Vierge, et c'est après ça, sortir du sein de la Vierge à Bethléem. Oui, ce sont des mouvements qui sont très, 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 très cohérents. Vous voyez, tous ces mouvements de pénétration et de sortie. Entrer et sortir, entrer et sortir, entrer et sortir. Immersion, émersion. Vous voyez ? Et c'est pour ça que dans la liturgie, pour revenir à ce qui nous est cher, dans la liturgie, on ne cesse de faire cela, d'entrer et de sortir. Il y a au moins deux entrées qui sont deux sorties, ou deux sorties qui sont deux entrées. La petite, ben c'est intéressant parce que il y a des livres liturgiques qui parlent de la petite entrée et de la grande entrée. Bon, mais j'ai lu un texte liturgique roumain l'autre jour où il parle de la petite sortie et de la grande sortie. Alors, en fait, il prouve bien qu'on est d'accord sur le sujet. Il s'agit bien d'une entrée qui est en même temps une sortie, l'une qui précède l'autre. Enfin, j'ai eu l'occasion récemment de proposer une homélie justement là-dessus. Je ne vais pas en disant qu'il y a en fait cette entrée-sortie du verbe. La première, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais bon, j'en parle quand même, parce que c'est assez intéressant. Quelle est la première sortie du verbe ? Lever la main. Bon, la première sortie du verbe, c'est quand le verbe a été, de façon atemporelle, engendré par le Père. Quand il est sorti des entrailles paternelles. Extraordinaire, ça, quand même. La première sortie, la grande sortie du verbe, c'est la sortie des entrailles paternelles. La deuxième grande sortie du verbe, quelle est-elle ? Là, je ne vous apprendrai rien. C'est la sortie de l'intimité trinitaire pour entrer, pour le coup, dans le monde. Alors, une des premières sorties, il n'y a pas eu d'entrée. Ah, si, il est entré, il sortit des entrailles paternelles, il est entré dans la communion des interpersonnelles des hypostases divines. Bon, la deuxième sortie, c'est donc l'incarnation. La troisième sortie, c'est effectivement cette immersion dans le Jourdain et émersion. La quatrième sortie, j'en avais trouvé sept, pardon, c'est l'entrée dans la mort et la sortie de la mort par la résurrection. Et la sortie suivante, je ne sais plus à quel numéro on est, c'est l'exaltation à la droite du Père, quand ce Christ est sorti du monde, il s'est élevé devant les apôtres, et qu'il est entré à la droite du Père, qu'il n'avait d'ailleurs pas quitté. Bon, ma façon de compter est tout à fait arbitraire, parce qu'il y a aussi d'autres sorties, par exemple, le Christ est sorti, poussé par l'Esprit, il est allé dans le désert, il est entré dans le désert. Pourquoi il est sorti, il est entré dans Capernaum, il est entré dans Jérusalem. Le dimanche des rameaux, c'est une entrée. Vous voyez, en fait, le verbe, la caractéristique du verbe, c'est qu'il n'arrête pas de faire cela, de sortir et d'entrer. Et chaque fois qu'il fait cela, il nous montre les chemins de la connaissance. Et que la méthode gnosiologique pour nous, elle nous est indiquée par le verbe lui-même. Et c'est pour ça que notre cher professeur Constantin Andronikov a des textes très intéressants qui expliquent un petit peu ce que... il sait beaucoup mieux que moi, évidemment, je m'en pardon, il n'y a pas de comparaison entre des gens aussi compétents et moi-même. Je ne voudrais pas être ridicule, ce serait bête, mais voilà ce qu'il dit, et donc moi je reste à ma place. Il dit ce qu'il appelle la synaxe eucharistique est le lieu privilégié, tous les mots sont importants,
où le savoir dogmatique et l'action dogmatique, puisque la prière est tout entière fondée sur les certitudes de l'Église, y compris les injonctions à prier contenues dans l'Écriture, dont le caractère véridique et sacré est un dogme de la tradition ecclésiale. Donc, la synaxe eucharistique est le lieu privilégié où ceci. Ma citation est à peine tronquée, j'ai mis des points de suspension. Passez par le 127. J'aime beaucoup cette phrase-là, je trouve ça vraiment très fort. La synaxe eucharistique, dans le bas de la page 127. La synaxe eucharistique, oui, est le lieu privilégié où le savoir dogmatique et l'action dogmatique coïncident. Pardon, j'ai oublié le mot coïncide. Coïncide. Puisque la prière est tout entière fondée sur les certitudes de l'Église, y compris les injonctions à prier contenues dans l'Écriture, dont le caractère véridique et sacré est un dogme de la tradition ecclésiale. Mais ce qui est important, je pense, c'est quand même le début de la phrase. Hein. La coïncidence entre savoir dogmatique et action dogmatique. Puisque, en fait, ça s'est dit plus loin, et il reprend ici, en fait, une phrase du père Serge Bulgakov, hein, et qui parle de la prière comme action. Ça, c'est très intéressant. Ça mettrait bien que liturgie veut dire action. Ah oui, vous êtes un peu déçu, vous pensez que la liturgie est une contemplation. Ben non, je suis désolé d'ouvrir ça. La liturgie n'est pas une contemplation, elle est une action. Et donc il y a là. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le savoir dogmatique et l'action dogmatique. Le savoir dogmatique, c'est le contenu. Quand je dis Fils unique et Verbe de Dieu, j'exprime un savoir dogmatique. Quand même, je sais qui est le Christ. Et c'est parce que je sais qui est le Christ que je suis là dimanche matin à l'église, au lieu d'être à la maison, je sais pas, devant la télé, ou en train de faire du jogging en forêt parce qu'il fait beau, ou en train de promener mon chien, je ne sais pas, faire beaucoup d'autres choses le dimanche matin. Mais non, j'ai choisi de venir, de participer à la synaxe eucharistique parce que je sais qui est le Christ. Et à ce moment-là, effectivement, mon savoir dogmatique, qui vient du baptême, du credo que j'ai appris au baptême, on va revenir à ça, coïncide avec donc une action dogmatique qui est la prière liturgique. Vous voyez, il dit la prière tout entière est fondée sur les certitudes de l'Église. Ça dit la même chose. C'est que la prière comme action dogmatique est fondée sur les certitudes de l'Église, c'est-à-dire le savoir dogmatique. Vous allez me dire, mais oui, mais arrêtez de répéter la même chose, on a tous compris, c'est archi simple ce que vous dites, vous enfoncez des portes ouvertes. Je vous demande pardon, mais c'est peut-être pour. Je suis peut-être comme Maître Jacques dans la pièce de Molière, je crois que c'est dans l'Avare. Maître Jacques dit je ne sais plus quoi, il me dit à qui parles-tu? Et il dit ben, je parle à mon bonnet. Donc peut-être que je ne parle qu'à mon bonnet en disant ces choses-là, c'est peut-être que j'en tiens de me convaincre moi-même de la vérité de ces choses, mais je veux bien quand même que vous reteniez ceci. La coïncidence entre savoir dogmatique et action dogmatique, entre parenthèses, égale prière. Je continue, dans la même, toujours page 127 de ce cher professeur, de bienheureuse mémoire, vraiment. Dans la liturgie, dit-il, continue-t-il, nous vivons, non pas le mot vivre, c'est extraordinaire quand même, nous vivons selon le mouvement de notre fonction intégrale, incluant notre nous, notre logos, notre ergon. Je vais revenir sur les mots. Nous savons, voilà, nous savons ce que nous faisons à tout moment et en quelques lieux de l'espace que nous nous trouvions. Point. Bon, alors, les mots importants de cette phrase de professeur Ogonikov sont quand même clairs. D'abord, le mot vivre, quand même, c'est-à-dire la liturgie, c'est quand même un vécu. Comme vous dites, vous, les Roumains, « atrei ». Trahim, je ne sais pas. Faire l'expérience, en roumain, c'est beaucoup plus fort. Parce que nous, on dit faire l'expérience. On n'a même pas de mot en français, ce qui montre à quel point on est intellectualisé. Nous n'avons pas de mot en français. Alors, on dit vivre, comme dit les publicités, les expériences à vivre, chez les grandes marques des voitures, etc. Vivez, les gens.
Mais en fait, c'est vrai qu'il faut employer ce mot-là, mais c'est en français, c'est un néologisme. Vivre, synonyme d'un mot qui n'existe pas, expérimenter, ou de la périphrase, une périphrase, faire l'expérience de. Et en fait, donc, c'est un mot clé. Quand même, réfléchissons tous. Il y a donc une définition claire qui est donnée de la connaissance. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est l'expérience. La connaissance, c'est le vécu. Et c'est pour ça que la connaissance est irréfutable. Parce qu'on peut réfuter quelqu'un qui aurait, comme dit Sacré-Cœur Panama, ce que nous aimons tous, tu peux toujours réfuter une théorie qui est avec les arguments d'un autre, tu arrives avec d'autres arguments, ce n'est pas un problème. Toute argumentation est réfutable par une autre argumentation. Ce n'est pas un problème, ça. Mais la vie, ben la vie, non. La vie est irréfutable. Et c'est ça, c'est pour ça que les martyrs sont les grands témoins dogmatiques de l'Église. Parce que le martyr est celui qui incarne, si je peux dire, je ne sais pas si oui, on peut employer le mot incarner, tant pis, enfin, dans un sens relatif, hein, mais qui intègre, si vous voulez, la conscience dogmatique de l'Église de manière telle que on ne peut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas le convaincre du contraire. Celui qui a vu, je ne sais pas, quelqu'un qui a vu le soleil se lever, on ne va pas lui dire que le soleil n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise? À la limite, il va dire oui, d'accord, pardon, je vais dire qu'il n'existe pas, comme ça vous me fichez la paix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie, c'est tout à fait compréhensible. Je ferais certainement la même chose dans ce cas-là, si on me disait de renier la foi, parce qu'autrement on va me couper les bras et les jambes, je ne serais pas meilleur qu'un autre. Mais dans le fond de mon cœur, je n'aurais rien renié, je saurais très bien que le Christ est qui il est. L'apostasie, pas l'apostasie, je ne parle pas de l'apostasie actuelle, qui est en fait une espèce de grand abandon de la foi par indifférence, par matérialisme, par rien en fait. Par rien, un simple attiédissement de la conscience, un aplatissement de l'encéphalogramme. C'est pas très intéressant, mais l'apostasie devant les couteaux, devant les fusils, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus compréhensible. Et dans ce cas-là, moi je connais très bien des cas, des exemples que je pourrais donner, des gens qui sont devenus musulmans dans ce cas-là, mais dès qu'ils ont pu, ils sont revenus au christianisme. C'est-à-dire, dans le synaxaire, je vous conseille de lire quand même le synaxaire régulièrement. Quelquefois, on me dit, qu'est-ce qu'il faut lire pour faire des théologies? Ben, je dis toujours la même chose, l'évangile. Bon, deuxième lecture, les psaumes, d'accord? Troisième lecture, le synaxaire. Ben, oui, parce que c'est dans le synaxaire que tu vois la vie, que tu vois le dogme de l'Église en action. Et c'est dans le synaxaire que tu vois en particulier des gens qui sont passés à l'islam par peur de la souffrance, pour protéger leurs enfants, leur famille, on ne juge pas, on ne juge pas. Et qui, après ça, sont revenus à la foi chrétienne. Et on les a jamais rebaptisés, on a considéré qu'ils étaient baptisés, on les a acceptés dans l'Église, à la communion eucharistique, par l'absolution. Oui, c'est tout. Parce que ça serait bien que la conscience dogmatique, elle reste ancrée dans l'être humain, et qu'il n'y a pas besoin de le. Et c'est quelque chose qui est. C'est indéracinable quand c'est vécu. Quand c'est vécu. Et c'est pour ça que il y a des zones de la planète où le christianisme a disparu, mais c'est un christianisme intellectuel, un christianisme scolaire, scolastique, si vous voulez. Il a disparu, il a été balayé par d'autres doctrines. Mais là où le christianisme était vraiment vécu, même les persécutions n'en ont pas eu raison. C'est le cas de la Roumanie, c'est le cas de la Russie. C'est très intéressant, l'exemple des pays de l'Est, c'est quelque chose qui démontre que la déchristianisation est impossible. C'est vraiment intéressant. On n'a pas réussi à déchristianiser ni la Russie, ni la Roumanie, ni la Serbie, ni la Géorgie, etc., ces autres pays. Parce que tu ne déchristianises pas des gens pour qui la conscience dogmatique est complètement incarnée, c'est-à-dire identifiée à leur propre chair, à leur propre cœur, à leur propre intelligence. Elle fait partie d'eux-mêmes, pardon. C'est pour ça que quand le professeur André Nicob dit cela, c'est très intéressant. Il dit, nous vivons selon le mouvement de notre fonction intégrale. Nous fonctionnons
C'est beau comme expression, notre fonction intégrale, notre mode d'existence total, catholique, plénier, est impliqué dans la vie liturgique et inclut donc le nous, le logos et l'ergon. Ce sont trois mots grecs, comme vous l'avez remarqué. Le nous, ça veut très bien que c'est la faculté la plus aiguë de l'esprit. C'est la pointe, la fine pointe de l'âme, comme dit Saint Grégoire de Nice. C'est une, pas une partie véritablement. J'aime pas trop qu'on parle de partie parce que ça fait un petit peu mécanique. On dirait que l'homme, c'est un peu le bonhomme Lego. L'homme serait fait de petits morceaux qu'on pourrait assembler ou désassembler, une sorte d'assemblage anthropologique. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la conscience qu'il y a dans l'être humain des fonctions, des modes, des aptitudes, non pas des charismes, hein, parce qu'il s'agit de fonctions naturelles, des aptitudes, mais des capacités, des modes de perception naturels, comme le nous, c'est la faculté, on va dire, intuitive. Je pense que c'est la meilleure traduction, puisque nous vient de noeo, qui veut dire voir, et intuition vient de intueor, hein, en latin, qui veut dire voir aussi, voir dans. C'est un mot très très intéressant. Intueor, ça veut dire je vois dans, je vois à l'intérieur, je perçois à l'intérieur. L'intuition, il y a la préposition in dedans. Donc le nous, c'est l'intuition. En fait, je ne vois pas pourquoi on va traduire ce mot toujours par autre chose, alors que c'est clair, ça veut dire ça. C'est vrai que quelquefois il a été détruit par mens, le mens latin. C'est dommage, parce qu'à ce moment-là, on retombe dans la conception mentale, il ne s'agit pas tellement du mental, vous voyez, c'est autre chose. Le nous, c'est un œil, hein. C'est une faculté de vision du réel, hein. De vision de l'invisible éventuellement, de vision. Qu'est-ce que vous voulez? Même Descartes, j'aime beaucoup, même Descartes dit une chose extrêmement intéressante à ce sujet, il ne savait pas qu'il allait être cité dans un cours de théologie. Descartes dit l'esprit humain, je crois, voit que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Donc il y a une intuition géométrique, scientifique, mathématique, que Descartes traduit par le verbe voir. Et d'ailleurs, en français, on emploie constamment cette expression-là. Tu vois, même les aveugles disent ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je ne vois pas, je suis aveugle, maladivement. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque une manie de langage. Et donc, c'est ça l'intuition. L'intuition est le nous. Donc, notre nous, notre capacité de vision, et de vision profonde, de vision en profondeur. Notre logos, alors le logos, c'est une autre faculté, qui est la faculté du raisonnement, c'est-à-dire d'établir des relations. Le logos, je ne crois pas me tromper, que mes amis hellénistes me soutiennent ou me pardonnent, je crois que c'est la même racine que l'ego. Et donc dire logos et l'ego, c'est intéressant, c'est ce qui est le logos, soit le logos divin ou le logos en nous, c'est une réalité de liaison, une réalité de connexion. C'est pour ça que le logos, c'est une des raisons pour laquelle le logos est celui qui se fait homme, parce qu'il est celui justement qui opère la liaison entre Dieu et l'homme. Le logos lit, et en nous, le logos est la faculté de former des liaisons entre les idées, les relations. Donc c'est la pensée discursive, c'est le raisonnement, c'est l'intellection même. Intelligible, l'intelligence, ça veut dire faire des liens entre. Celui qui est intelligent, c'est celui qui fait des relations entre des différentes données, qui opère des connexions. En fait, le logos est une fonction, pas seulement cognitive, mais une fonction de connexion. Donc en nous, il y a la faculté d'intuition et la faculté de connexion. Et après ça, le troisième mot qu'on prend, monsieur Ovanikov, ergon. Qu'est-ce que c'est ergon? Ergon, c'est l'action. C'est le mot qui donne ergie, énergie, synergie. Tous les mots énergie ont le mot ergon dedans. Ergon en grec, c'est l'action, c'est l'œuvre. Et ce mot ergon, si je ne dis pas une bêtise, il se trouve dans liturgie. Liturgie, c'est ergon, tout laou, tout theou, c'est-à-dire l'œuvre, l'action du peuple de Dieu.
Monsieur André Nicole a bien parlé. Et effectivement, il s'agit bien de notre ergon, notre faculté d'action. Elle est liée à l'action, liée à l'intellection et liée à l'intuition. Et c'est pour ça qu'il dit à ce moment-là, nous savons, et c'est lui qui souligne dans son texte, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Ah ! Mais tout l'évangile dit ça. Saint Jean en particulier, oui. Ce que nous chantons à la fin de la Divine Liturgie, justement, nous avons vu la vraie lumière. Donc nous savons très bien ce que nous faisons là, vous voyez. La foi est un savoir. Nous savons par la foi, par l'expérience, par la vraie liturgie. Nous savons. Et peut-être que nous ne savons pas lire, il n'y a pas besoin d'être lire pour, de savoir lire pour être chrétien, nous en parlons. Mais pour être chrétien, il y a absolument besoin de participer à la liturgie. Alors ça, c'est sûr. J'en demande pardon à ceux de mes amis qui pensent que qu'on peut être chrétien sans être, comme ils disent, pratiquant. Ça, c'est pas... Ça veut dire que le christianisme est simplement une question d'idées ou de valeurs. Voilà, je ne sais pas si on parle vraiment de la même chose. Personnellement, ça n'éveille en moi aucune réaction. Je suis désolé, je me sens totalement apathique par rapport à ce genre de propos. Alors que dire, savoir et en faire l'expérience que la participation à la vie liturgique de l'Église nous donne accès à la connaissance de Dieu, alors ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je suis ici ce soir d'ailleurs. Je regarde l'heure, ça va. Bon, donc vous voyez, cette phrase de, quand même de notre professeur, c'est quand même assez intéressant, j'espère que ça vous paraît aussi intéressant que ça me le paraît à moi. Et alors, il a maintenant un propos que j'aime beaucoup, et dans lequel il avance dans son raisonnement de théologien de la liturgie qu'il est. Je ne sais pas s'il conclut, mais il résume ce qui vient d'être dit dans la phrase suivante. La liturgie, alors tenez-vous bien, je ne sais pas si vous avez de quoi vous abstenir, une chaise, une table, je ne sais pas, mais c'est quand même très intéressant. La liturgie rend la pensée de l'Église sacramentelle. Alors ça, c'est extraordinaire. Je crois que je vous avais déjà peut-être parlé de cette phrase-là une dernière fois, mais je veux vraiment y revenir. La liturgie rend la pensée de l'Église sacramentelle. Il reprend le même propos, il y a plus loin, page 133. La liturgie rend la pensée sacramentelle. Ça, c'est fort, hein. C'est-à-dire que la pensée, par la liturgie, n'est plus une activité cognitive qui concernait, par exemple, la... ce qu'un sujet connaît d'un objet, par exemple, mais il y a une telle adhésion à la sagesse divine, à la pensée divine et à la vérité divine, il y a une telle adhésion au verbe qu'elle gagne du verbe justement toute sa réalité. On dit sacramentelle, c'est mystérique. Elle devient, la pensée devient une réalité pénétrée par la grâce de Dieu, une pensée, une réalité que font tous les autres sacrements, qui véhicule la grâce divine et qui est elle-même, elle est à la fois le véhicule et le véhiculé d'ailleurs, parce que dans l'expérience, la connaissance de Dieu, nous ne sommes pas instrumentalisés simplement par Dieu, mais nous sommes à la fois les instruments de la lumière divine et les bénéficiaires de cette lumière divine. Nous sommes des instruments, mais qui sont simultanément illuminés par la lumière qu'ils véhiculent. Je ne sais pas quel exemple prendre, mais c'est vrai que des exemples... Si tout de même c'est ce qui se passe, par exemple, les ampoules, on a encore des ampoules
dans nos maisons. L'ampoule, si vous voulez, à la fois elle véhicule la lumière et elle est modifiée parce qu'elle véhicule, puisqu'elle est illuminée, ben oui, et elle est réchauffée, elle devient brûlante, même on peut même plus la toucher, même tellement elle est chaude. Donc ça veut dire que le véhicule peut être transfiguré par ce qu'il véhicule. Et c'est exactement ce qui se passe pour la pensée. Constantin André Nicole dit que la pensée devient, par la liturgie, devient sacramentelle. Donc la liturgie rend la pensée sacramentelle. Il dit la pensée de l'Église, la pensée devient sacramentelle. C'est-à-dire que la pensée, la pensée humaine dans la liturgie, d'abord elle devient divino-humaine. Humaine ou divine, c'est-à-dire qu'il y a une déification, c'est quand même très, très, très audacieux tout ça, il y a quand même une déification de la pensée, parce qu'elle, elle adhère tellement à ce qu'elle sait, et à celui dont elle sait qui il est. Je pèse tous mes mots, j'espère que vous enregistrez bien ce que je dis. La pensée adhère tellement à ce qu'elle sait, et à celui dont elle sait qui il est, parce que je me suis bien exprimé, qu'elle devient transparente à ce qu'elle pense, et qu'elle devient réchauffée par ce qu'elle pense, et qu'elle devient lumineuse de la lumière qu'elle pense. Vous voyez ? Il y a ici un phénomène de transfiguration de la pensée dans la liturgie. C'est pour ça que cette expression de André Nicole, je crois que c'est une des expressions les plus intelligentes que j'ai entendues depuis longtemps. Je trouve ça extraordinaire de dire ça, franchement. Il le dit deux fois, une fois page 131, et une fois page 128. Donc je dis ça pour que vous puissiez retrouver les passages, parce que vous allez lire ça, bien entendu. Il le dit une fois page 128, la liturgie rend la pensée de l'Église sacramentelle, et il le dit une fois page 133, la liturgie rend la pensée sacramentelle. Moi, je trouve ça extraordinaire. Excusez-moi, je trouve ça extraordinaire. Mais je crois que je viens quand même de commenter assez bien. Et il dit à ce moment-là, la culture devient culte. C'est toujours page 128, c'est intéressant. La culture, ben, c'est l'usage des concepts, du langage, du langage français que nous employons, des notions, des concepts, de certaines idées philosophiques elles-mêmes, l'usage du verbe être, ça fait partie de la culture, le langage fait partie de la culture, mais la culture devient culte. Il y a tous les moyens que nous avons de nous exprimer, que ce soit le langage lui-même, mais à plus forte raison aussi les moyens du langage, que sont l'icône, que sont le chant, que sont le geste, la position du corps, etc. Tout ceci, donc, devient culte, c'est-à-dire est transfiguré en action de prière, en prière-action. Oui. Alors, page 133, il commence ceci en disant « La liturgie, c'est vraiment un peu la même chose, c'est la même idée, mais c'est très intéressant, il dit « La liturgie replace la dimension notionnelle, c'est-à-dire les notions, dans le domaine cultuel. » C'est assez intéressant, la liturgie qui fait le transfert des notions intellectuelles, philosophiques, même les notions théologiques, d'ailleurs, parce que quelquefois, vous savez, dans nos bons livres de théologie, ce qui est dit de Dieu, c'est purement notionnel, hein, ce sont des notions théologiques, des notions divines. Mais la liturgie remplace les notions, le notionnel dans le domaine culturel, parce qu'elle transforme ce qu'on sait de Dieu, pour parler plus simplement, elle transforme ce que nous savons de Dieu en prière, en louange, en supplication. Ça, c'est pour ça que nos prières sont dogmatiques, parce que je ne peux pas prier le Christ. Bah, la prière la plus simple du monde et la plus complète du monde, qui est la prière du nom de Jésus, dit quand même « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-nous miséricorde. » Donc, cette prière énonce dogmatiquement ce que nous savons du Christ. Elle répond dogmatiquement à la réponse qui est Jésus-Christ. Enfin, c'est pas une prière liturgique. Bon.
C'est une prière, je dis ça parce que peut-être là, oui, la prière exprime la conscience dogmatique de l'Église. Ben oui. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Voilà. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi. Toutes ces prières, qui sont des prières qui expriment la conscience dogmatique et dans lesquelles la pensée devient culte, la pensée devient sacramentelle, vous voyez. Alors c'est pour ça qu'il dit plus loin, je continue à lire, parce que c'est super intéressant, parce qu'il dit des choses vraiment très bien. Le liturge vit sa théologie non plus seulement sur le mode spéculatif et philosophique, mais encore sur le mode existentiel et opératoire par le mystère. Donc, c'est pour ça que ça dit la même idée, hein, que la liturgie, donc, c'est le mode existentiel de la connaissance, c'est le mode existentiel du savoir. Je vis ce que je sais. Je vis ce que je sais. C'est beau comme tout. Et donc, il y a une interaction entre culte et pensée dogmatique, ce qui est dit page 131, et c'est aussi pour ça que plus loin, dans les mêmes passages, notre théologien de la liturgie dit que la liturgie représente le mode de vie religieux le plus parfait. C'est une faute de français, excusez-moi, parce que ça ne veut rien dire, dire le plus parfait, ou c'est parfait, c'est pas parfait. Bon. Mais donc, il n'a pas l'impression, il veut dire le plus accompli. Voilà, c'est pareil, ou c'est accompli ou c'est pas accompli, il n'y a pas le plus accompli. Ben bon, le mode de vie religieux le plus parfait, ou, c'est intéressant tout ça, la sécheresse et la discontinuité des propositions logiques du dogme, ou les affirmations péremptoires du catéchisme, se fondent organiquement et s'animent dans le continuum vécu de la prière. Ce faisant, la liturgie véhicule la thématique chrétienne. Donc, je reprends un petit peu cette phrase-là, mais c'est quand même intéressant. La liturgie, c'est un mode de vie religieux, quand il est le plus parfait, c'est-à-dire parfait. Bon, accompli, total, il n'y a rien au-dessus. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, faites autre chose. Si vous n'êtes pas accompli, si vous n'êtes pas convaincu que la prière liturgique de l'Église est le sommet de toute expérience cognitive, faites autre chose. Ne suivez pas ces cours, ne perdez pas votre temps à ces cours, vous voyez. Et donc, ce sommet de l'expérience humaine, ce sommet de l'activité de l'esprit humain, et pas seulement de l'esprit humain, mais du cœur humain, du corps humain lui-même qui participe, le sommet anthropologique, en fait, le sommet anthropologique, hein, et théanthropique, c'est-à-dire théo-anthropologique, parce que, justement, ce qui serait, sur un plan didactique, ce serait marqué, ce serait sec, ce serait discontinu, ce serait des propositions simplement logiques, vraies pour elles-mêmes. Alors, ça reste vrai. Je peux dire, moi, n'importe qui, voilà, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc., mais je l'exprime comme ça, mais comme une affirmation, ce qu'il appelle aussi affirmation péremptoire du catéchisme. Mais toutes ces affirmations se fondent. Alors, se fondent, c'est une très belle expression, parce qu'il dit de fusion, il dit se fondent organiquement, j'aime beaucoup ça, oui, se fondent organiquement, c'est-à-dire se mue dans un organisme vivant appelé Église, hein, appelé corps du Christ, appelé membre du Christ, appelé vigne qu'est le Christ, se fonde organiquement et s'anime, hein, c'est-à-dire s'anime, ça veut dire devenir vivant. Entre une affirmation tirée du catéchisme, page temps, et la prière liturgique, il y a une animation, c'est-à-dire que la vie et la vie spirituelle, la vie de l'esprit, s'est emparée de cette vérité et la dilate, l'épanouit, la remplit, puisque l'Esprit Saint, c'est justement celui qui remplit tout, qui accomplit tout. Oui, il faut qu'il y ait un investissement. Voilà, c'est intéressant, c'est-à-dire, la vérité, si vous voulez, la vérité, ça ne mérite pas vraiment le nom de vérité tant que c'est purement une affirmation de la logique humaine. Même
Il faut que cette vérité soit investie par le Saint-Esprit, qu'elle soit investie par la grâce de Dieu pour être vraiment dilatée, rendue vivante, manifestée dans ce qu'elle est. Il faut que la vérité soit vraie, je ne sais pas comment vous dire, une vérité qui est simplement une construction logique, 2 et 2 font 4, je ne veux pas vous dire le contraire, je ne me permettrai pas de réfuter cette proposition arithmétique. Mais la vérité, c'est autre chose. La vérité, c'est la vie de ce qui est vrai. Vous savez qu'en grec, le mot vérité, c'est le terme de aletheia, et aletheia, ça veut dire dévoilement, ou plus exactement, ça veut dire désoubli, c'est-à-dire c'est une réalité qui était cachée, voilée, oubliée, occultée, voilà, et qui est rendue à la lumière. C'est très intéressant. Donc en grec, le mot vérité, en fait, veut dire révélation. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit la prière au Saint-Esprit, on dit pneuma tis alithias. On traduit par esprit de vérité. Bon, si vous voulez, pourquoi pas, c'est pas si facile que ça de traduire, mais je proposerais volontiers une autre traduction qui serait peut-être plus proche de ce qu'on cherche à approcher, qui serait plutôt du genre souffle de la révélation. Pneuma tis alithias. J'allais dire souffle du désoubli, parce qu'alithias, c'est le désoubli, en quelque sorte. C'est intéressant, mais c'est pas seulement la révélation, mais c'est la reconnaissance, parce que c'est une réalité qui a été oubliée, c'est une réalité connue. C'est pas forcément réalité nouvelle, réalité connue, mais qui a été occultée et qu'on désocculte, qui a été oubliée et qu'on désoublie. Donc qu'on se remémore, qu'on reconnaît. C'est ce qui s'est passé par exemple pour ces aveugles qui sont dans l'évangile. Quand ils trouvent la vue ou qu'ils recouvrent la vue, ils voient le Christ et ils le reconnaissent. Et c'est ça le phénomène de la vérité. La vérité est une reconnaissance dans le sens de... c'est une reconnaissance, parce que vous voulez, il n'y a pas d'autre mot. Connaître, on va revenir à notre thème qui est quand même liturgie et connaissance, mais connaître, c'est reconnaître. Ça se dit, ça, quand même, quelquefois, il y a des personnes qui le disent, ça connaître, c'est reconnaître. Et donc même la révélation est en fait un rappel de ce que nous savons, que nous avons vu, que nous avons connu au paradis, par exemple, puisque tout homme au paradis a connu Dieu pour la première fois. Le paradis, c'était un moment extraordinaire. C'est le moment de la première rencontre avec Dieu. C'était un moment, comme dit Saint Maxime le Confesseur, ça a duré très peu de temps. Saint Maxime dit très drôlement, on ne sait pas très bien combien de temps ça a duré, mais pas longtemps. Pas longtemps. Il y a des choses drôles chez les pères. Alors effectivement, mais c'est ce moment qui est donc très court, d'après Saint Maxime, dont on doit parler avec sérieux évidemment, ce moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le moment de la première rencontre entre Dieu et sa créature, entre la créature humaine et son créateur. Ce moment fut celui de la connaissance. Encore que même là, on pourrait dire qu'il s'agissait de reconnaissance, puisque quand l'homme voit Dieu, il se reconnaît en Dieu. Il voit en Dieu l'image au sceau de laquelle il est marqué. Donc même là, même dans cette première rencontre au paradis de l'homme et de Dieu, même là, il
y avait reconnaissance. Et comment ne pas penser qu'il reconnaissait également la voix qu'il avait appelée. Il avait peut-être entendu cette voix quand même, quand Dieu disait « Faisons l'homme à notre image ». Dieu parlait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se parlaient en quelque sorte. Peut-être que l'homme a entendu cette voix-là. Donc, quand il a entendu la voix au paradis, Dieu lui disant « Fais ceci, fais cela, oh, ne fais pas ça, abstiens-toi de faire ça, etc. » C'était une voix qu'il pouvait reconnaître. Je ne sais pas si à un moment de la connaissance, qu'il ne soit pas reconnaissance quand même. Et vous savez que ça me fait penser aussi qu'on peut traduire dans l'évangile de la Théophanie, c'est-à-dire du baptême du Christ, on peut traduire la phrase le Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui pas seulement en qui je me complais, ou des choses comme ça, mais en qui je me reconnais, justement. Oui. Et donc il y a cette reconnaissance mutuelle. Dieu se reconnaît en l'homme, et l'homme se reconnaît en Dieu. C'est pour ça que le terme de vérité, je reviens ici à ce que je voulais dire, le mot vérité, si vous voulez, est un mot qui se rapporte à la vie, parce que le phénomène de reconnaissance, d'identification, qui nous fait dire c'est toi, oui, c'est moi, c'est lui. Ah, c'est toi. Ce moment-là, vous voyez, c'est le moment de la vérité vivante. C'est le moment d'une apparition. C'est le moment, oui, de Christ apparaît, Dieu apparaît, l'homme apparaît. La vérité est une apparition, un dévoilement, une désoccultation, un dévoilement, une reconnaissance et l'apparition. Une apparition, c'est un saisissement. La vérité est saisissante. Et ça arrive dans la liturgie, dans les liturgies, que nous soyons saisis par la parole de Dieu quand l'évangile est proclamé, que nous soyons saisis par un geste liturgique accompli avec vie, que nous soyons saisis par l'approche du calice, le saisissement. Le saisissement est une expérience cognitive. Et c'est, le saisissement peut aller très loin, il peut aller jusqu'à l'expérience des larmes, il peut aller jusqu'à l'expérience presque du vertige. Est-ce que les apôtres Pierre, Jacques et Jean, sur la Sainte Montagne du Tabor, au moment de la transfiguration, est-ce qu'ils n'ont pas été saisis, et saisis de manière tellement forte, tellement vivante, tellement bouleversante, qu'ils en sont tombés à la renverse et que sur les scènes d'icônes, on les montre, se voilant même la face devant cette lumière, saisie qu'ils étaient, ils furent saisis. Et cherchons quand même des mots pour dire la réalité, vous cherchez quand même théologiquement à avoir un langage fort, un langage juste, même si on doit passer du temps à chercher le mot juste, on va le faire, vous voyez. Et quand tu as trouvé le mot saisissement, tu es quand même content d'avoir trouvé un thème qui est fort et qui commence à dire un petit peu ce que tu as envie de dire, vous voyez. La théologie, une grande partie de la théologie, soit la théologie dogmatique elle-même, ou la théologie de la liturgie, comme celle qui nous concerne ce soir, en grande partie la théologie est animée par la quête du mot juste, du mot qui va vraiment dire ce que je sais. Moi, je cherche le mot qui va dire ce que je sais. Le mot dans lequel, moi, justement, je vais me reconnaître. Ah oui, oui, c'est bien ça que je voulais dire. C'est bien ça, c'est ça. C'est bien cela. Saisissement, apparition. Voyez. Et donc là, c'est pour ça que l'activité théologique est intéressante, parce qu'elle n'est pas simplement didactique, elle n'est pas seulement descriptive, elle n'est pas seulement analytique, elle n'est pas seulement synthétique, comme les différentes opérations de l'esprit, mais elle est créatrice. Elle est... Elle est une rencontre. Et elle est une découverte. La théologie est une découverte. Vous voyez, regardez comme nous faisons, nous découvrons. Mais découvrir, c'est justement un mot qui s'applique à la vérité, puisque la vérité est découverte. Elle est découverte, on l'a découverte.
Donc on a découvert une réalité qui existait, qui nous attendait, qui était patiemment là, dans l'ombre, oubliée peut-être, découvrir Dieu. C'est magnifique, vous voyez. Découvrir Dieu, ça fait penser à la nudité de Dieu dans le Jourdain. La découverte de Dieu. Le Dieu nu. Un Dieu dévoilé. Un Dieu dévêtu. Et c'est intéressant parce que Dieu, le Dieu homme, il a été nu au moins deux fois. Dans le Jourdain et au prétoire, au Golgotha. C'est intéressant, la nudité de Dieu, du Dieu homme, c'est-à-dire sa découverte, son dévoilement, sa révélation profonde, le moment où il s'est présenté aux hommes sans aucun voile, les deux grands moments de révélation, c'est le Jourdain et le Golgotha. Ou le Jourdain et le Pseudonyme. Quand même le Golgotha. Parce que sur la croix, le Christ était pratiquement aussi nu qu'au Jourdain. Et même au Sanhédrin, les gens l'avaient couvert d'un vêtement. Mais bon, les deux grands moments de nudité divine, c'est-à-dire de révélation divine, le dévoilement, de découverte, c'est quand même le Jourdain et le Golgotha. Il dit, mais non, il y a aussi la crèche. Mais non, mes amis, à la crèche, il n'était pas nu. Il était correct, au contraire, d'après ce que dit l'Évangile, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, etc. Il n'était pas nu du tout. Non. Enfin bon, il était nu au moment où il est sorti du sein de la Vierge. Je ne dirais pas le contraire. Il n'est pas né tout habillé, quand même. Donc, bon. Donc je veux bien vous concéder cela. Il y aurait donc trois grands moments de nudité divine. Et donc, la naissance, l'accouchement virginal, la naissance virginale, l'immersion dans le Jourdain et la croix. Parce que même dans le tombeau, mesdames et messieurs, vous considérez qu'il n'était pas nu, parce qu'au contraire, on l'a revêtu d'un sphère. On ne le voit plus nu après. Et même pour Thomas, quand il a voulu montrer son côté percé, il a fallu qu'il dégage légèrement le vêtement, qu'il se dénude, mais très très partiellement à ce moment-là. Mais c'est un sujet, ça. Vous voyez, les gens qui cherchent des sujets de devoirs dogmatiques ou liturgiques pourraient prendre ça, le thème du dénudement de Dieu comme révélation, en fait. Ou la révélation comme dénudement. Pourquoi est-ce qu'on baptise nu? Là, les enfants qu'on baptise, les adultes, on les baptise en caleçon de bain, je pense que, mais enfin, si vous voulez, on les baptise dans leur nudité. C'est le moment de vérité. La nudité, c'est la vérité. Le grand Job, il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, je serai enterré. Enfin, oui. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'homme, c'est la vérité. Vivre dans le dévoilement. Oui, voilà, donc, tout ça pour dire que ces propos de notre professeur sont quand même formidables. Et alors ici, je conclurai un peu là-dessus bientôt, oui. Notre professeur, il cite beaucoup le professeur Serge Bulgakov, qui est quand même son maître à penser. Serge Bulgakov, c'est un grand penseur. On peut discuter sur certains points. C'est toujours pareil, quand on dit quelqu'un est grand, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On est assez intelligent pour penser autrement. Bon, en tout cas, Serge Bulgakov, c'est même un géant. Je pense que c'est un géant de la théologie contemporaine, quand même. Bon, et donc, ce Serge Bulgakov a beaucoup écrit sur la liturgie et, regrettablement, il a beaucoup lu en russe. Et donc, les écrits qu'il a écrits en russe, je crois qu'on ne les trouve pas en français, ou bien on les trouve d'une façon partielle. Je vais vous donner la référence exacte. Il s'agit d'un livre du père Serge Bulgakov qui s'appelle « La lumière sans déclin » qui a été publié à Moscou en 1917. C'est une année célèbre. Et c'est publié en russe. Et il y a également un autre texte du professeur Serge Bulgakov qui s'appelle « Dogme et dogmatique »
publié en russe également, recueil d'articles par les professeurs de l'Institut Saint-Serge, Paris 1937. Donc c'est intéressant d'avoir des thèses que donne le professeur Antoine Nicot, parce qu'il donne dans une traduction française, vous voyez. Alors il y a également, mais ça je l'ai relu récemment, c'est moins intéressant, le livre du professeur Serge Bulgakov qui s'appelle « L'orthodoxie, essai sur la doctrine de l'Église », qui a été publié d'abord en russe et qui en fait maintenant a été publié en 1980, je l'ai à la maison, aux éditions L'Âge d'Homme à Lausanne. Et alors effectivement il y a un chapitre sur la liturgie, mais il décrit globalement la liturgie, mais il ne fait pas profondément le lien entre liturgie et dogme. Alors que dans les autres articles, et ce que cite ici le professeur Antoine Nicot, c'est plus intéressant. Et alors justement, il y a cette citation que j'ai notée, qui est justement dans la lumière sans déclin. Voilà ce que dit le père Serge. La liturgie est la dogmatique vivante. Que dire de mieux? Que dire de plus? J'avais qu'à dire ça au début, on aurait pu aller se coucher plus tôt, plutôt que de vous assassiner par des développements superlatifs. La liturgie est la dogmatique vivante. Mais ça résume ce que j'essaie péniblement d'expliquer depuis 2 heures. Elle représente, alors je fais attention, j'attire votre attention sur la suite, elle représente les mythes et les dogmes en acte. Je reviendrai là-dessus après. Elle est en même temps le moyen d'un enseignement dogmatique continu. Alors ici, il emploie le mot mythe. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, le christianisme n'est pas un mythe, Alors ici, on emploie le mot mythe dans son sens fort. Un mythe, c'est une parole sacrée. Myo, en grec, c'est le verbe qui désigne ce que l'oracle dit, la révélation que prononce l'oracle. Donc l'aspect mythique, du point de vue de la connaissance théologique, ça se rapporte à tout ce qui est dit de façon sacrée, de façon divine. C'est la même racine que mystagogie, que mystère. Tout ça, ça vient du même verbe mio, qui veut dire s'exprimer de façon révélatrice et s'exprimer de façon prophétique, s'exprimer de façon oraculaire. Donc les mythes, c'est effectivement, par exemple, la parole concernant la jeunesse, c'est mythique, non pas dans le sens où ce serait une fable, et donc on le mettrait de côté, on le laisserait pour les enfants, mais c'est dans le sens où c'est une parole oraculaire, une parole prophétique, c'est une parole mystérique, une parole sacramentelle, une parole prophétique prononcée par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui profère sa propre sagesse à travers cette parole qui n'est pas une parole humaine, vous voyez, qui est une parole divine. Donc c'est ça que fait la liturgie, donc il dit lui-même, donc elle représente les mythes et les dogmes en acte. Donc on retrouve la notion de ergon qu'on avait tout à l'heure. La liturgie active, met en acte, active, on peut dire actualise aussi, on peut jouer sur les mots, actionner, activer, actualiser, mettre en acte, activer, bon, la vérité. Et il continue en disant, n'est vivant et n'est vivifiant dans la religion que ce qu'il y a dans le culte. Alors ça c'est quand même très fort, vous voyez, c'est-à-dire qu'en dehors du culte, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a que des éléments, comme je disais tout à l'heure, je pense avoir raison de dire ça, il n'y a que des éléments qui ont un caractère préparatoire, propédeutique. Mais c'est que dans le culte que la vérité devient vivante. Vivante et vivifiante. Il n'est vivant et n'est vivifiant dans la religion que ce qu'il y a dans le culte. Ce que celui-ci ne contient pas dépérit et n'est pas capable de vivre. Ça, c'est extrêmement important du point de vue des réformes que certains veulent faire.
des réformes liturgiques dans lesquelles on appauvrit trop, et bien du coup, même il peut y avoir les éléments de vérité qui sont mis de côté parce qu'on pense qu'ils sont moins importants, et bien ils vont dépérir. Je dis ça parce que, par exemple, certains d'entre nous, ben, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais si ça va être la semaine, vous savez, de rencontres entre les chrétiens, la semaine de l'unité des chrétiens, c'est une très très belle semaine, hein. Mais quelquefois on propose à certains des offices qu'on appelle les offices œcuméniques, et nous les orthodoxes ne participons pas aux offices œcuméniques, nous avons les offices de l'Église, les offices de la catholicité, de la conscience de l'Église, c'est ça que nous célébrons, et pour nous c'est ça l'œcuménicité de l'Église, c'est la catholicité de la tradition orthodoxe. Parce qu'effectivement, un office chrétien dans lequel on n'emploie pas le mot théotokos, le mot mère de Dieu, eh bien je suis désolé, est un office dans lequel quelque chose d'extrêmement important est voué à la mort, est voué à dépérir, comme le dit ici. Donc ça veut dire que là, la vérité même de l'incarnation exprimée par le mot théotokos, parce que cette vérité n'est pas prononcée liturgiquement dans un office dit main, là, cette vérité est condamnée à dépérir, ce qui est. C'est sans nom, vous voyez, c'est, je veux dire gravissime. Qu'est-ce que ça veut dire gravissime quand il s'agit de la mort même de la révélation, une mise à mort même de la vérité, simplement parce qu'elle n'est pas prononcée, et qu'elle n'est pas prononcée liturgiquement. Le dogme doit être prononcé liturgiquement et dans le culte pour être vivant et vivifiant. Voilà, donc, alors ce que dit notre bon professeur est vrai, et c'est intéressant, il dit c'est vrai, y compris pour l'iconographie, pour le rite en général, pour les sacrements, enfin, tout ce qui est liturgiquement vécu. Et vous savez très bien que la liturgie, c'est pas seulement la parole, mais c'est également le rite, le geste et l'icône, la fresque, etc. Tout ce qui est, tout ce qui constitue, et dit-il, ça c'est Andronikov qui reprend la parole, tout ce qui fait que le dogme devient réellement mystère vécu et devient une somme théanthropique où l'énergie de l'Esprit-Saint permet d'accomplir la parole du Verbe. Accomplir, c'est-à-dire mettre en pratique, rendre réel, rendre actif et rendre salutaire pour l'Église et pour le monde. Amen. Voilà, merci à tous et merci Apostolia TV. Et merci les étudiants qui sont présents.